déjà bien, Benoît? Ouais. Merci beaucoup, merci de m'aider pour les images. Et comme je le disais un peu plus tôt, il y a une heure, Bolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. 7h30, on tend vers 8h, je crois, 8h, le président de la République est attendu ici vivement par la population lualabaise, ici à Bolwezi. Pour l'instant, le chef de l'État se trouve à Lubumbashi, où il est arrivé après sa tournée africaine. Il viendra ici à Bolwezi pour justement inaugurer, entre autres, le bâtiment de la Banque centrale du Congo, mais également le bureau, son bureau, qu'il va occuper ici à Bolwezi, le bureau du chef de l'État. La visite officielle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Bolwezi, prévoit aussi d'abord un meeting. Quand il arrive, nous sommes rond-point Mwangeji, place rond-point Mwangeji, dans la commune de Manika, où il va s'adresser à la population lualabaise pour la toute première fois depuis son élection en tant que président de la République démocratique du Congo au terme des élections du 30 décembre 2018. Et puis, pour terminer sa visite officielle à Bolwezi, dans le Lualaba, le chef de l'État va visiter quelques sites miniers, des entreprises minières qui œuvrent ici sur place dans la province du Lualaba. Et donc, c'est la mobilisation de grands jours. Comme vous pouvez le constater, c'est un grand jour, un grand événement pour cette population qui attend, qui a soif de voir le premier citoyen congolais fouler le sol du Lualaba depuis qu'il est président de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes sortis un peu plus tôt pour voir comment ça se présentait. Vous allez voir que tout autour du rond-point Mwangeji, ça se met déjà en place, la mobilisation. Il y a plusieurs structures qui viennent, des partis politiques, de l'Union sacrée, de la société civile, des confessions religieuses qui prennent déjà place. Parce que d'un moment à l'autre, le chef de l'État va arriver. Mais tout ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il viendra par route, est-ce qu'il viendra par avion? Si par avion, 45 minutes de temps de vol. Si par route, comme il est en cortège, escorté, plus ou moins 3h30 de temps de route. Si par route. Alors, dans tous les cas, ici, ça se met déjà en place, comme vous pouvez le constater. Je vois tout autour de moi, on va essayer avec Benoît, si les dispositions ou la sécurité va nous permettre de sortir au-delà du rond-point, parce que nous sommes à l'intérieur du rond-point Mwangeji, là où le chef de l'État va s'adresser. Alors, le podium du président, Benoît, j'espère que nos amis qui nous suivent peuvent voir là-bas. Non, si vous pouvez prendre le podium. Alors, le podium est là, c'est là-bas que le chef de l'État va se tenir pour s'adresser à la population qui sera tout autour, ici. Et voilà, la sécurité mise en place, dispositif sécuritaire déjà en place pour sécuriser finalement le lieu. Il y a la population qui est déjà là-bas, les partis politiques avec des réfugiés, voilà, partis politiques ensemble, ensemble pour le changement de Moïse Katumbi ou ensemble pour la République. Je vois plusieurs partis, je vois plusieurs personnes qui arrivent déjà. Donc, ils sont nombreux et voilà, ils font le tour. Mais la convergence est d'abord vers l'aéroport parce que si le chef de l'État vient par route, de toute façon c'est la même route, cette avenue, cette route, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais me retrouver, il débouche vers événement pour la population du Lualaba, le premier citoyen qui vient le visiter. Félix Tshisekedi qui a un message à adresser à cette population et nous tous, nous allons découvrir ce message. Et ici, on a soif de le voir et on a très envie de voir le président de la République et aussi de l'écouter parce que c'est lui qui a un message à adresser à la population du Lualaba. Place Mwangeji. On avance un tout petit peu, Benoît.
grave. J'ai vu une délégation des mamans kimbanguistes de l'autre côté. On va aller voir. Voilà. Tout autour du rond-point, les uns et les autres se mettent déjà en place. Madame la vice-gouverneure de la province a appelé à une mobilisation de toutes les forces vives du Lualaba pour réserver un accueil sans précédent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ce qui va être fait parce que il y a encore du temps. Et voilà, le temps que tout le monde arrive, on va vous montrer des images progressivement de l'accueil, de la mise en place. Voilà. Ça c'est... Je vois là la délégation des mamans kimbanguistes, mais aussi les catholiques. Ça va être la légende Marie. Voilà, Paul-Louis-y. Et je rappelle que l'arrivée du président de la République ici à Paul-Louis-y, son meeting, mais également les activités qu'il aura à tenir, passeront en direct à la télévision nationale congolaise qui a déjà installé ses matériels ici, place Wangeji. Ça, c'est le faisceau de la RTNC qui va transmettre les images. Et si vous pouvez bien le voir, c'est la grande équipe technique de la RTNC qui va retransmettre en direct de Kolwezi le meeting du président de la République à Kolwezi. Voilà, en direct de la province du Lualaba. C'est la grande équipe donc de la RTNC qui se met en place. Tout est déjà fin prêt, techniquement, pour la RTNC. Ah, voilà, voilà. Comme ça, par dizaines, par centaines, dans des bus, à moto, à pied, ils se dirigent vers l'aéroport. Voilà. Voilà. Pour permettre à ceux, en attendant la retransmission en direct de la RTNC, à ceux qui, à tout le monde, de pouvoir voir ce qui se passe, la mobilisation ici à Kolwezi, comment ça se prépare pour accueillir le chef de l'État. On va prendre un à un jusqu'à ce que le chef arrive, le président de la République. Et thank you.
je vous laisse consommer d'abord cette petite séquence vidéo et on se retrouve tout à l'heure, le temps pour nous d'économiser un tout petit peu la batterie, sinon on aura du mal à vous faire vivre le live du discours meeting du chef de l'État à Kolwezi. À tout à l'heure, restez branchés sur cette page Actu30 et c'est également sur le compte Twitter Rachel Kitita pour avoir plus de détails en temps réel sur la visite du chef de l'État dans la province du Lualaba. À tout à l'heure et merci de nous avoir suivis. J'irais Kelani, hein? La main magique. Françoise Bouila, c'est elle donc la présentatrice de la RTNC. Où est-elle? On a fait le déplacement ensemble. C'est elle qui tient. Et je parie que le journal de la RTNC passera en direct de Kolwezi ce soir. Passer en direct, madame. Ok, merci beaucoup. Alors, elle, c'est madame Françoise Bouila. Oui. C'est la voix de la RTNC. C'est elle qui tient le direct. J'enlève mon masque. Le direct depuis la ville de Kolwezi. Vous en avez l'habitude, madame. Mais chaque jour, c'est un nouveau challenge. Donc, on se mesure devant les obstacles, les opportunités. On est encore une fois au service de la nation pour assurer le direct. Voilà. Le président de la République, il vient dans combien de temps? Vous avez une idée? Bon, je ne veux pas m'improviser dans son programme. C'est le président de la République. Il peut nous surprendre. Il peut respecter son calendrier tel que le protocole l'a prévu. Donc, je ne peux pas m'hasarder à confirmer. Ce qui est sûr, il est attendu. Il est attendu. Vous voyez comment ça devient noir de monde. Donc, les gens s'impatientent déjà. Ils voudraient voir le président arriver ici à Kolwezi. Et l'entendre en même temps, parce qu'il y a un meeting qui est prévu. Oui, ah oui, ils veulent l'entendre. Et d'ailleurs, il y a certains qui disent on veut qu'il s'exprime en Lingala, un peu en Swahili. Donc, on va tester aussi le chef de l'État tout à l'heure, et surtout le contenu de son message. Merci beaucoup. Merci, à tout Rachel. À l'heure. Voilà, on vous revient dans un petit instant. Tout à l'heure. Merci.